met directement à 60 FPS. Oh non. 60 FPS impossible, je comprends rien. Je suis en train de l'arracher. Crac est mort, nickel, callback, GG à toi mon ref. Si je le tue, c'est exceptionnel. Il y a tellement de latence, waouh. Wesh les mecs, c'est Natus. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors dans cette vidéo, comme vous aurez pu le voir au titre et à la miniature, je me suis tout simplement donné un petit défi. Le défi qui est que à chaque kill, je dois baisser mes FPS. Donc je vais commencer avec une large de FPS illimitée jusqu'à 30 FPS. Et vous allez voir, il y a vraiment des dingueries qui sont passées dans la vidéo. C'est impossible à 30 FPS, vous allez voir. Du coup les gars, si jamais vous aimez ce genre de vidéo avec des petits défis comme ça, et si jamais vous avez des défis d'ailleurs, dites-le moi en commentaire, je pourrais en refaire. N'oubliez pas de liker la vidéo si jamais vous avez aimé la vidéo, à mettre un petit commentaire, il y a un mot caché dans la vidéo. Du coup les gars, regardez la vidéo en entier. Tous ceux qui trouvent le mot caché, mettez-le en commentaire, je retiens les vrais. N'oubliez pas les petits abonnements parce que ça fait super plaisir, ça soutient la chaîne. Et puis voilà, sur ce les gars, je vous embête pas plus. On passe directement avec la vidéo. C'était Natux et bonne vidéo les mecs. Bon du coup les mecs, on est directement parti en game. Là j'ai FPS illimité, donc en haut ça me fait un peu afficher n'importe quoi vu que ça fait que de bouger. Mais si je regarde vers le haut, ça sera FPS illimité. Et en gros on va commencer avec une large quand même. Regardez là, je suis à 300 FPS, on va commencer un petit peu avec une large d'FPS. En gros j'ai compté un peu, ça fait au bout de 8 ou 9 kills, genre je me retrouve à 30 FPS. Donc en vrai si je fais une assez bonne game, il y a moyen qu'à la fin de game je sois à 30 FPS et ça va être chaud, je vais pas vous mentir. Une petite technique pour ça, hop on saute. Du coup on a fait un petit spawn à la grotte. Alors je sais vraiment pas pour le coup s'il y a vraiment des mecs à la grotte qui spawn en solo. En tout cas on va voir ça, là on essaie de se mettre bien et on va directement rush les gars parce que je vais pas vous mentir, j'ai pas envie d'attendre 100 ans, il y a un mec là. Ok je l'ai mort, ok je parle pas français, un mort du coup. On a eu notre premier kill, on va directement aller se cacher pour mettre les FPS, on va se prendre les barils. Donc normalement si je fais une assez bonne game, il y a moins que je me retrouve avec très peu de FPS à la fin. Ok du coup les mecs, on se met à 360 FPS. Donc pour l'instant il y aura pas de changement comme je vous ai dit. De illimité jusqu'à 144, il y aura pas de changement vu que j'ai un écran 144Hz et je suis habitué à 144. Mais par contre quand je vais passer à 120 et à 60 FPS, là ça va être chaud. Et à 30 FPS je pense que c'est la mort, hein, clairement. On a un petit pompe tactique, en vrai on va se le prendre, j'ai vraiment envie de jouer comme un cancer cette vidéo parce que tout simplement avec 30 FPS je vais pas rentrer des beaux clips avec le striker, donc on va privilégier le spam. Donc voilà, je crois qu'il y a plus personne, je dis n'importe quoi, il y a un bouffon juste devant, j'attends juste qu'il arrive mec et je lui fais un dégradé. Il arrive, je lui saute dessus, hein, au pompe 3-1. Je suis désolé mon pote, Nitro, je suis désolé mon gars. J'ai joué comme un chien, hein, je l'avoue, je l'assume, mais au moins j'ai fait mon deuxième kill. Let's... Oh merde, il y a un troisième, Moins 24. Ok, moins 100. Je me mets le petit baril. J'ai peur qu'il moline comme un malade vu que je suis en bois. En tout cas, je lui ai mis quand même une belle balle. J'ai pas envie de mourir sur ça parce qu'il a l'air quand même un petit peu chaud. Mais il a l'air de flexer un peu pour rien en même temps. Crac. Et mort, nickel. Il s'appelle point d'interrogation, let's go. On a eu notre troisième kill les gars, donc en vrai on se débrouille vraiment pas mal. Je crois que je vais garder le tactique, hein. Faut vous mentir, le tactique il commence vraiment à me carrer là pour la game. On va changer encore les FPS et là on va passer directement à 240 FPS, ça fait moins 100 FPS. Je pense que les changements ils vont commencer peut-être à arriver. Parce que là je sens la fluidité, mais après mon écran 144Hz, je suis limité. En tout cas je pense que je vais commencer à ressentir la fluidité. Et je vais pas vous mentir, quand je vais être à 30 FPS, je sens que ça va être chaud. On a déjà fait 3 kills au spawn, du coup on va vite bouger parce que je pense qu'il y aura des mecs qui vont venir backstab, mais en fait il y a trop de construction là-dedans, du coup c'est le bordel. Du coup on va prendre un petit pad et on va les rush directement. Donc en vrai là je sais vraiment pas où rotap parce que vas-y, normalement je fais pas trop le spawn la grotte et du coup je sais pas où est-ce qu'on peut rotap à part Tilted. Mais je sens que Tilted, t'as vu, si j'y vais il y a moyen que je meure en 2-2. J'ai rotap juste ici, alors ici je sais vraiment pas s'il y a des mecs qui spawnent ici en arène, mais en tout cas s'il y a des mecs qui spawnent là, il doit vraiment être nul parce que vraiment je pense que c'est l'un des spawns les moins joués de toute la saison. Il y a vraiment un mec qui spawn là en plus parce que ça a été loot. Il y a un petit baril de shield. Ah wesh wesh, regardez, je vous ai dit c'était des mecs nuls. Le mec il se cache et il me tire dessus. Moins 37, moins 90, crac. Je suis en train de l'arracher. Crac est mort, nickel, callback, GG à toi mon ref. En tout cas il m'a mis une belle balle à la fin. Bah oui, regardez son pompe, bah oui, normal qu'il met une belle balle. Ah c'est complètement logique tout d'un coup. Par contre on va pas se mentir, je l'ai vraiment déchiré le frérot. Bah, du coup les gars on va baisser encore une fois les FPS. On perd 40 FPS et on passe à 200 FPS. Donc en vrai je pense que ça peut passer encore. On prend 4 splash ou 4 fiches. En vrai j'ai envie de jouer les fiches. Les splash tu vois c'est un peu trop long à mettre à comparer des fiches et ça donne moins de vie. Donc vas-y on prend les fiches. En tout cas on a déjà des mini. Et du coup là les gars on est top 33 avec 4 kills. Donc en vrai la game se déroule vraiment
vraiment pas mal. Il m'a donné un stuff incroyable. Je suis obligé de faire top 1 les gars. Bon les gars, je viens de calculer et tout simplement il me manque encore 7 kills à faire pour pouvoir avoir 30 FPS. Donc je pense que ça va être chaud de faire 30 FPS. Du coup on va agrandir le mini-jeu. Donc en gros quand je vais faire un kill au lieu de perdre 30 FPS, je vais en perdre le double. Donc je vais vous montrer un exemple tout simplement. Si je suis à 200 FPS, je fais un kill. Au lieu de passer à 180, je passe à 160, tu vois. On en perd 2 pour le prix d'un, tu vois. En gros, un kill, ça rapporte 2 niveaux de FPS. On va faire ça comme ça, sinon on va jamais arriver à 30 FPS. Et j'ai vraiment envie d'essayer de faire la fin de game avec 30 FPS. Je sens que ça va être chaud, mais je sais que ça peut être jouable. Ah, j'aurais pu essayer de KS le kill. Malheureusement, j'ai pas d'aim. Ah, là, pour le coup, là, j'ai vraiment pas d'aim. Il y a un autre mec qui se met dans le fight. Là, il y a tous les tryharders à Tilted. Hein. C'est pour ça que j'ai pas envie d'y aller. T'es mal les bull fights qu'ils font alors que c'est à Tilted Tower. Genre, les mecs prennent vraiment trop de risques à faire un BF à Tilted. Donc, moi, j'y vais pas. On va aller tuer des petits mecs comme ça qui étaient perdus. Parce que vraiment, je vous avais dit, hein. T'étais sûr, il y avait un mec caché ici qui tempo et qui devait être nul. Hein. Le mec était nul, mais il m'a mis une bastos, t'as vu son pompe. En vrai, je pense que monter en haut de cette colline, ça peut être pas mal. On va attendre les mecs qui viennent de zone par là-bas. Et puis en plus, on peut shooter un peu sur les mecs de Tilted, c'est-à-dire si j'ai envie de KS un kill. Encore en fight, aussi, ça s'arrête plus. Hein. En tout cas, pour l'instant, je vois personne arriver de là-bas. Ils sont encore en fight. Je vais essayer de spammer dans le dos pour essayer de gratter un kill, mais j'ai oublié que j'avais pas d'aim. Il vient de se prendre une claque. 2 x 29, on va lui lancer la boule en vrai. Oh, je crois que c'est dessus, les gars. Oh, j'étais dessus, dommage. Il m'a mis une grosse balle. Lui aussi, il a un pompelège, c'est pas possible. Oh, je lui ai mis une claque, sa mère. Oh, j'ai même pas fait exprès. Il m'a caissé mon kill. Oh, c'est le tryharder de Tilted. Ok, je prends les trucs. En vrai, il est pas si fort que ça. C'est juste, il va être chiant. En mode, il va faire genre qu'il est trop fort à flex comme un malade. On s'est fait notre petite box. Malheureusement, il nous a volé notre kill. Pourtant, je l'avais mis à 180, je sais pas combien. Je l'avais vraiment arraché. On est en zone, je vous jure que je bouge pas. Hein. Le mec, c'est trop un tryhard. Ouais, il arrive de partout. On est encore bloqué. On va dire que le mec que j'ai tué là, enfin, qu'on m'a caisse, on va dire que ça me le compte. Donc, on passe à 180 FPS. Il y aura pas trop de changements non plus parce que je suis à 144 en bas. Mais ouais, parce qu'il me l'a volé. Donc, c'est pas cool. Encore ce skin. Oh les gars, le fight il est trop chiant. Et ouais, il va vouloir me fight parce que je fais genre de fuir. 41. Je fuis mais pas pour lui parce qu'il y a la zone et du coup il croit que je suis nul parce que je fuis. Il force trop à me fight. Sale chien, non, les gars. Camel Slayer, il est vraiment nul. J'allais le tuer, il avait combien de vie? Il vient de se mettre un fiche. Ah, il avait 42 vies, dommage. Ok, bon, du coup, les gars, on est directement parti avec la game numéro 2. Donc, tout simplement, on va reprendre du même nombre de FPS. Donc, j'étais à 180 la game d'avant. Donc, je suis resté à 180 parce qu'on va pas recommencer. Sinon, on va mettre 100 ans. On a un petit coffre juste ici. Ok, moins 100. La PM. Et mort, nickel, Anonymous, on a eu le premier kill. Il était vraiment pas nul, il avait juste un aimbot au début de la game. Bon, je pense qu'il a dû le désactiver parce que là, il a louché. Du coup, les gars, on avait dit qu'on baissait jusqu'à 2. Du coup, bah en fait, on se retrouve à 160 au lieu de 165. Bon, à 5 FPS près. Y'a pas trop de changements, mais vas-y, comme ça, ça va être plus rapide. On est déjà top 53, c'est trop grave, comment ça meurt trop vite dans les games d'arène maintenant. Bon, lui aussi, il s'est mis des splash, tête d'homme, je vais l'attendre parce qu'en fait, si jamais je le push moi, il joue à cache-cache dans des arbres, il croit c'est Tarzan de la vidéo où je joue à 4h du mat. Du coup, j'ai plus de balles. Ok, mort, waouh. Bon, il avait 60 FPS, j'avais quand même un avantage. J'ai élaboré une technique, il savait même pas que j'étais dans le cône. Bon, GG à toi, mon ref. Du coup, les gars, on va se cacher juste ici. On va baisser les FPS. Donc là, on est à 160. On va passer à 140. 3 kills, wesh. Il nous manque que 3 kills pour arriver à 30 FPS, wesh, les gars. Wesh. Il faisait quoi, lui? Bah, je suis désolé, Brazen 120 FPS. Pour le coup, là, on avait vraiment tous les deux 120 FPS, pas comme l'autre. Et je sais pas, tu faisais quoi, mon ref? Il était FK, je sais pas, il regardait l'eau, il testait l'eau. Il était là. Bonjour, testeur d'eau. Alors, actuellement, l'eau est à 37 degrés. Bon, du coup, les gars, on passe directement à 120 FPS. Je pense que là, ça va commencer à être chaud. On a fait notre troisième kill sur cette partie. En fait, on a bien fait de bouger. 120 FPS, les gars, ça va commencer à être chaud. Mort. Waouh. Je l'avais vu avec son gros corps blanc. Je pars vite. Je veux rien savoir de ce mec. Je savais que l'hôtel est arrivé. On se met directement à 60 FPS. 60 FPS impossible. Je comprends rien. Si je le tue, c'est exceptionnel, les gars. Il y a tellement de latence. Waouh. C'est impossible, les gars. Waouh, la latence. Je comprends même pas ce que je fais. Ah, les gars, je peux rien faire. Elzeus, mon ref, je suis désolé, mais ça se voit que c'est un gros PC bien fibré, bien de 600 FPS. Ah, les gars, je pouvais vraiment rien faire. J'ai mis 60 FPS pendant une seconde. Ma sensibilité, je voyais des pixels sur mon écran, je faisais des 3-6, impossible. Bon, du coup, les gars, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Malheureusement, on n'a pas pu aller jusqu'aux 30 FPS. On a pu aller jusqu'aux 60. Et malheureusement, comme vous aurez pu le voir, c'est impossible. Les joueurs PS4, je sais pas comment vous faites. Moi, j'étais PS4 avant. Je ressentais pas autant cette latence, tout simplement, parce que là, je suis habitué à 144. Quand tu passes de 300 à 60 FPS, c'est impossible. Vraiment, grosse force à vous. J'ai même pas encore testé les Switch. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez une vidéo où je tente 30 FPS. Ça a l'air d'être une dinguerie. Comment ça va être compliqué? Sur ce, les gars, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Le mot caché de la vidéo, c'est tout simplement FPS. Écrivez tous FPS.
espèce en commentaire si vous êtes resté jusqu'ici, vous êtes des bons. Et puis voilà, sur ce les gars, je vous embête pas plus. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. C'était Natoux, et ciao les mecs.